Salut! La news du jour, c'est l'aventure d'Exia qui continue! Alors que l'État a déjà perdu 2 milliards d'euros depuis qu'il a été obligé d'entrer au capital de la banque franco-belge pour la sauver de la faillite, l'Assemblée nationale a voté cette nuit un amendement qui permet de garantir les pertes liées au portefeuille de la filiale américaine FSA afin que cette dernière soit vendue. Bah, qui a dit qu'il n'y avait plus de sous dans la caisse? En garantissant ces pertes, l'État pourrait avoir à payer jusqu'à 5 milliards d'euros. Dexia prend ainsi la première place des loose de l'année. Facture totale, 7 milliards d'euros. Mais vous inquiétez pas, c'est pas à nous de payer, ni à nos enfants, ni à nos petits-enfants, ni à nos petits-petits-petits-enfants. Alors rendez-vous en 3008. We're sorry, the number you have dialed is not in service.